Bouzid, 63 ans. Il incarne à lui seul toute une génération de pêcheurs. Il a senti la nécessité de s'adapter et de réviser ses méthodes et s'est spécialisé dans les plongées sous-marines à la limite des possibilités physiques que peut avoir le corps d'un être humain. Pour plonger, Bouzid et ses hommes passent des heures et des heures à attendre que la mer devienne parfaitement calme. L'expérience leur ayant appris que c'est là le moment idéal. Bouzid, cela fait un bon moment que vous êtes arrivé sur les lieux de la pêche et pourtant vous n'avez pas encore plongé. Peut-on savoir pourquoi? Le courant est encore trop fort. Il faut attendre l'étal. L'étal constitue pour nous le moment propice pour plonger. La mer devient alors très calme. Le courant nous gêne dans notre travail. Quelle est la durée de l'étal? Cela dépend du cycle des marées. Il y a un minimum et un maximum. Généralement, cela varie entre une demi-heure et cinq heures. Vous travaillez donc une demi-heure par jour? Oui, mais ça, c'est le minimum. Mais on peut rester beaucoup plus. Thank you.
À quelle profondeur travaillez-vous? Tout dépend des endroits. Ça peut aller de 15, 20, 30 mètres et parfois même plus. Et cette masse de plomb, à quoi sert-elle? Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la gueuse. Elle pèse environ 18 kilos et sans elle, nous ne pouvons rien faire. Elle nous permet d'atteindre très rapidement le fond. La gueuse est reliée à une corde tenue par deux hommes qui ont la tâche de surveiller les déplacements du plongeur et de le remonter le plus rapidement possible, dès que celui-ci, ayant épuisé sa réserve d'air, leur donne le signal de la remonter en tirant deux coups secs sur la corde. إذا بتطلع شوف اللي قدامك. شوف العمر. Amboudzid, il y a plusieurs variétés d'éponges. Comment faites-vous, sous l'eau et sans masque, pour reconnaître la bonne de la mauvaise éponge? Par expérience et au toucher. C'est avec l'ongle du doigt et en tâtant l'éponge que je la reconnais. Je
Il nous arrive parfois, grâce à Dieu, de faire une bonne pêche et de remplir toute notre barque. Mais il nous arrive également de ne rien trouver. Aujourd'hui, Dieu merci, ce n'est pas le cas. L'éponge, ce don de la mer, devient sur ses rivages une sorte de symbole, plus qu'une source de revenus. Elle permet à tous les membres de la communauté, et pas seulement aux pêcheurs, de vivre au moins une fois l'an en symbiose et de célébrer en grande liesse la fête de l'éponge. Mais c'est aussi la fête de la mer nourricière qu'on remercie pour tout ce qu'elle donne, la mer qu'on vénère, qu'on implore et qu'on bénit. Sur les rivages de la Méditerranée, rien de plus normal.